j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ramène une recette beauté. Faire son propre huile de citron. Mais avant, pourquoi l'huile de citron et à quoi ça sert? L'huile de citron aide à nourrir la peau. Le citron est riche en vitamine C, hyper important pour l'élasticité de peau et ainsi combattre les rides. Et surtout, ce que je trouve hyper sympa, c'est que l'huile de citron aide à diminuer les taches de la peau sur n'importe quelle zone de peau, le visage, le cou, les mains, les bras, un peu partout. Ça aide à éclaircir les taches, bien sûr, avec utilisation régulière. Si ça vous intéresse, on va en cuisine. Et voilà mes loulous, nos ingrédients pour notre huile de citron fait maison. Donc, on aura besoin de 2 citrons et la moitié d'un verre d'huile. Donc là, j'ai choisi l'huile de tournesol. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile de cuisson. Je préfère toujours que ce soit à base d'huile végétale, comme tournesol ou maïs. Ça reste mieux pour la peau. Donc, on passe à la préparation. Donc, j'aurai besoin d'un économe et une râpe, n'importe ce genre. Ou ce genre, ce que vous avez. Je vais utiliser celle-ci. Donc, je vais juste venir prendre... Je vais essayer de prendre que le jaune. On n'a pas besoin du blanc. C'est amer, le côté blanc. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris que 3 petits morceaux. Et le reste, je viens le râper avec cette râpe. Ou avec celle-ci, je préfère. Donc, je viens râper. Comme je vous ai dit, on prend que le côté jaune. Et si vous prenez citron vert, bah, le côté vert. Il faut vraiment pas prendre le côté blanc parce que c'est amer. Donc voilà ce que ça donne. Et bien sûr les 3 petits morceaux qu'on avait coupés en premier. Et maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc là je prends une casserole avec de l'eau. Puisque je vais préparer l'huile de citron au bain-marie. Donc je vais mettre ma casserole. Je vais mettre l'huile. Et je viens ajouter mon citron, donc, mais je ne vais pas mettre les 3 morceaux, je vais les laisser de côté. J'en aurai besoin, pas tout de suite, mais après. Donc pour le moment, on va mettre que le zeste râpé. Donc je vais mélanger un petit peu. Le feu il est assez doux, je vais laisser chauffer pendant 30 minutes, après on revient pour voir la suite. Mais c'est vraiment important de laisser 30 minutes parce que le zeste de citron a besoin de bien infuser dans l'huile.
30 minutes passées. Je viens d'arrêter le feu. Et on va passer à la suite. Donc maintenant, je viens filtrer mon mélange. Donc j'ai choisi un petit pot en verre. Donc c'est toujours mieux que de mettre du plastique. Je viens bien appuyer, je ne veux rien perdre. Donc si vous vous rappelez, on avait laissé trois petits morceaux de peau de citron. Je vais venir les mettre dans mon huile et je vais fermer. Donc là, c'est très bien fermé. Donc je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Je vais laisser 3-4 jours avant utilisation. De préférence à utiliser l'huile le soir. Vous pouvez laisser toute la nuit agir sur la peau et laver la peau le lendemain. J'espère que vous avez aimé ma recette, que vous allez surtout l'essayer chez vous. Si c'est le cas, likez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, activez la petite cloche pour recevoir toutes les nouveautés et moi je vous dis à la prochaine recette.